Canadien, Radio Liberté Kinshasa, vous êtes très nombreux à nous suivre de partout à travers le monde grâce à votre application Rallye KFM. Nous nous retrouvons ce matin pour parler Congo. Notre Congo, on n'en a que ce pays comme un patrimoine commun. Merci infiniment à vous tous qui nous suivez à Brazzaville. Vous êtes dans le grand Bandundu, Kwilu, Kwango, Maindembe. Merci Nabino pour l'émission à Tongo Alelo. Vous qui nous suivez pour la toute première fois, tous allez Radio Liberté Kinshasa. Nous allons à Kinshasa, nous avons 6.8 MHz en fréquence Nabisso. Vous pouvez nous suivre sur votre chaîne YouTube, c'est Tivera Lik officiel, et retrouver les différents numéros de ces magazines, votre magazine Rendez-vous solitaire. 082-33-33-749. 082-33-749. Les idées pour qu'ensemble nous puissions avoir un Congo véritablement émergent. Alors, ce matin, nous allons parler, vous l'avez suivi hier, révélation Adeko Jean-Marie Béa. C'est vrai que beaucoup de cas de corruption ont été déplorés. On va analyser justement après l'élection à la gouverneur, quelles sont les priorités, qu'est-ce que le gouverneur doit faire pour que le Congo, de façon globale, puisse en tout cas assez développer. Vous savez que Bougoumestre, par exemple, Mingi Baloba, qui met Matali, marque à collaboration. Chacun de nous, en fait, est capable de donner son idée. Si c'est ce que le gouverneur doit faire maintenant, maintenant que Bazu Bokunzi, maintenant que Baponi Bango, c'est vrai que dans d'autres provinces, à l'instar de Mandaka, de l'Équateur, dans la province d'Équateur, ex-Équateur, bien entendu, comme chef lieu Mbandaka, dans le nord Ubangi, également, les élections ne se sont pas organisées, élections de gouverneur, à Kwilu, mais aussi dans le nord Kivu, nous allons devoir analyser pour au moins les gouverneurs qui sont déjà là, les gouverneurs qui vont venir, que faire pour que le Congo puisse prendre son envol à travers ces élections de gouverneurs. Vous savez bien qu'émaillé des cas de fraude déplorés par tous. Voilà, Ndeko Nabisso Atongo Alelo, invité Nabino, invité Nabisso Zali Bongo, madame Sarah Sombe Azali, porte-parole honoraire pour Nabi province à Kinshasa, il y a un vol à Delice Sanga, Azali, porte-parole actuellement nationale, il y a ADH, il y a Jean-Claude Bayindé, c'est avec elle que nous allons nous entretenir ce matin. Vous allez donner vos points de vue sur le déroulement à l'élection, bien entendu, mais qu'est-ce que le gouverneur doit faire? C'est autour de ça qu'il va décider. Madame Sarah Sombe, merci de la présence dans la Tongoualé. Merci, Bonheur Dinga. Je vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, je commence à souhaiter un bon week-end déjà à mon président Jean-Claude Bayindé. Il nous suit pour... Exactement, oui. Merci beaucoup. Je dis également bonjour à toute la population congolaise, sans oublier toutes les personnes qui nous aident comme ça à pouvoir réaliser cette émission. Et donc, voilà. Sans oublier l'équipe, on est envahi par les stagiaires qui sont dans ce studio de la radio de Tekichasa, qui sont venus également palper comment nous opérons, comment nous travaillons, comment nous faisons cette magie-là pour arriver dans leur maison, dans leur vie, un peu partout à travers la République démocratique du Congo. Madame Sarah Sombe, rapidement, la santé à parti politique Nabino ADH et Boni. Oui, le parti va bien, comme toujours. Nous évoluons ensemble, toujours pour pouvoir donner notre partition en ce qui concerne comme ça et l'émergence de notre pays. Parce que je le dis chaque jour que le devoir de servir le pays ou de protéger, de sécuriser le pays revient à tout le monde. Et ça, là, on n'a pas ces mingues étant, on a mon abandé comme chou, d'ailleurs, on a dans les médias, simplement pour s'attaquer à la présidente de la République. C'est comme si, Félix Antoine Tshisekedi. Non, mais c'est lui qui a le contrôle. Certainement, oui, il a le contrôle, on ne refuse pas. Mais cela ne veut pas dire que il est en fait la seule personne où il faut Assalamara Mounios pour que le pays aille mieux. Non, ça c'est faux. Mais qu'est-ce que vous faites, Bino Bato ADH? C'est vrai que vous avez présenté, parce que vous parlez en termes de gestion, il faut d'abord avoir le contrôle, le pouvoir, justement, l'imperium, pour gérer et savoir imprimer sa politique,
sa vision par rapport à la question. Par exemple, si aujourd'hui nous allons parler, Mambéba gouverneur, s'il faut n'en répondre déjà, quand tu m'as posé la question, il y aurait ma partition à Nabisso. Ici, je rappelle que mon président national, Azala, gouverneur à l'Équateur. Il a cette grâce. Il a fait sa part. Les gens ont dit qu'il a été. Il n'a pas été à la hauteur, raison de plus, au Kabila Lumumba qui le gouverneur avait été révoqué en son temps. Non. Ça, c'est tellement faux que je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Je pense que, en tant que journaliste, une fois vous étiez à l'Équateur, vous avez vu. Et là, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une très grande différence. Voilà. Il y a une très grande différence entre gestion et mon amour que Jean-Claude Baïné n'a pas où basa lelo. Parce que je suis en train de travailler sur un projet. Naoya à la plateau, je vais présenter en fait mes propositions. Nao et Talibongo, je vais dire même permettre un terme recrutement et bateau et faux. Va gérer Mboka ou va gérer ma province Nabisso. Ça compte, ça joue et dans la rôle Moko Munene. On ne peut jamais donner une province à Mboka Muto. Lui-même ne maîtrise même pas comment gérer en fait. Non, je me réserve. Vous parlez des niveaux à ce moment. Exactement. Bien même que ce n'est pas en fait ça le socle de tout, mais au moins Muto Oazo Kamba, une province comme l'Équateur, il faut aller au moins un niveau, non? Ça, déjà, ça pose un problème. Ça pose un problème, donc c'est compliqué. Et donc, je ne suis pas dans ce débat. Je vais simplement dire que. Mais non, aujourd'hui, qu'est-ce que Bandé a fait? Bandé a construit des hôpitaux. D'ailleurs, ici, je vous rappelle que Bandé a sa gouverneur à Liboso. Voilà, ça, là, morgue, la province à Équateur, Mobimba. Hein? Dans son ensemble, en fait. Avant la décentralisation, il est le seul. La Babilité de Bayende a construit des écoles. Au cours vérifier. Bayende a construit des écoles à Mbandaka, à Bikoro, à Salabanzela. Et donc, ce n'est même pas important là, là, parce que ça. On ne fait pas le bilan de Bayende, c'est vrai. On fait le bilan de Bayende. Ça fait partie à partition d'Abisso. Et aujourd'hui, mon président national est candidat sénateur à l'Équateur. Attendons voir les résultats. Et je pense que c'est par rapport à là que nous allons en fait nous lancer dans ce sens-là. Il est aussi député national. C'est que nous avons défloré. Qui n'est pas la cité. Maman Fifi, qui est mon voisin député, à qui soit comme sénateur. Mais vous aussi, à quoi vous pouvez continuer de voir candidat? Non. Le problème, moi, bien même que je fais partie de son parti politique. Mais. J'ai mes projets à moi, j'ai ma vision à moi, j'ai mes ambitions par rapport à la politique. Et peut-être que je ne suis pas encore prête. Parce que il ne m'avait pas proposé cela. Mais peut-être que moi, je ne suis pas encore prête. Et donc, par rapport à Ndengimoto au programme, et non pas parce que lui a voulu. Non, c'est ici. Ouais. Alors, puisqu'il est congolais, il a une grande vision par rapport à ces pays. Et donc, nous avons une locomotive et puis que ça y est. Et aussi, les gars avec lui, c'est que Batounia soit dans la CPN, même pas de membre de la famille. Parce que si tel était le cas, donc là, on a dans la CPN. Là, il n'y a pas de problème. Mais ici, prenons la situation de façon globale. C'est vrai que nous, du Cameroun, sénateur, gouverneur, on en a déploré récemment. Et puis, comme vous l'avez évoqué, si aujourd'hui nous voulons rester dans le contexte de Zanayango, l'élection est Salé Maki. Vous n'avez pas présenté des candidats à niveau Moussoussou, à part le président national, oui. Non. Donc, vous présentez candidaté? Non. Candidat Isaac Aïmoko Bayne. Bien sûr. Il est candidat sénateur. Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, parce que le bien, on a débit, que non, vous concevez mal que Batouba s'apprend un artiste qui dit, qu'aucun sacré qui dit, parce que je rappelle que votre parti est de l'Union Sacrée. Exactement. Vous avez quitté Dipro. Parce que Dipro a la batterie balé. Ils ont ensemble la partie politique. Dipro, il y a une dame là qui s'appelle Madame Mami.
Nalanda qui est peine à télé, il est venu fistiger en fait la manière où consomme Tamba à Okamba du Pro. C'est pour vous faire comprendre que Agama qui a quitté, il a quitté en fait le regroupement pour aller à l'Union Sacrée via regroupement Madame Fifi Masuka et tout et tout. Les gens ont dit, ils ont raconté des choses sur l'honorable Bayende. Mais aujourd'hui, je pense que comment comprendre que Constant Moutambala, leader à Madame Mouté. C'est vrai. Hein? Donc moi j'aime pas ces gens. Non, 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 ouais. Alors, ben, madame, vous êtes un coquet vide. Vous êtes un sacré. Bon, le il faut tout, au lieu il faut tout considérer ce qui était le rôle en Zambé, ou ça, ma camion, son balamoko. C'est vrai qu'hier, sous Kabila, tout le monde criait, surtout mon d'Akoufina venu, Kabila, insécurité, il faut qu'elle n'ait caca. Ce mot d'Akoufina, tout courait, qui, chaleur, et qui, oh, même, c'est quelqu'un m'a même fait rire. Alors, lui, mais, chaleur, même, quand à un moment donné, quand on parlait de chaleur à Kinshasa, nous, on faisait ce qu'il faut qu'elle n'ait caca, chaleur, comment le canard Kinshasa. Donc, tout était sur les dos de Kabila hier. Aujourd'hui, parce que vous êtes des noms sacrés, vous refusez aux gens d'incriminer ce qu'ils disent, ce qui m'a commencé, qui m'a l'amputé. Par exemple, parce que quand, quand nous voulons considérer Tshisekedi comme... Je n'ai pas dit ça, c'est pas ce que j'ai dit. Mais si je veux faire comprendre Jean quelque chose, regarde ce qui se passe. Fatih Azali, c'est lui le garant de la nation. Fatih Béton. Fatih Béton, oui. Mais... Dans sa soeur, Sarah, c'est lui. Écoute, s'il vous plaît. Même, parce que votre malo, on a bien dit Fatih Béton, mais je parle parce que je suis de l'Union Sacrée. Jamais. Le président de la République, s'il va me suivre, et me suivre plutôt. Et si déjà... Bah, jadis, il a eu le temps ou l'occasion de me suivre. Il peut en fait comprendre que je suis quelqu'un de... J'ai toujours été objectif dans mes analyses. Je suis de l'Union Sacrée, certes. Mais aujourd'hui, le président de la République pose un acte et ça, en faveur à peuple. Je viendrai ici, je vais dénoncer. Mais tu dis, parce que pour moi, non, j'arrive, je vais répondre en fait. Je suis en train de répondre par rapport à votre question. Parce que pour moi, son aïe n'a le bien dans le président de la République ici, au salé madame Mouté, il faudra faire ça. C'est une manière à Osungaye. Ah bon, c'est parce que Azan Zan Mété. Azan a monopole, il y a rien dans ma camion sauté. Et Azan a monopole, il y a été non sur les canaux fin fond. Le problème, c'est que pour accompagner mon poids, les canaux bicoro, il faut que l'autorité ait bicoro, ma matissa. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi je dis que Bissonoso, tous un devoir wana de pouvoir travailler ou donner le meilleur de nous. Alors, vous trouvez mal qu'hier sous Kabila, on a incriminé Kabila, on a accusé de tout. Exactement. Et ça, erreur, oh, Bissot va commoler tout ça là-bas. Et moi, en tout cas, Nazalana Bablo, qu'on a été qui non, parce qu'il est président de la République, et là, on est sur le cas, il faut que. Maintenant, donc, si on a la moukina tombe, Nazan a un niveau de boussole pour nous, Nazu, il faut que nous ayons un bloc qui n'a pas de caniveau. Il faut que nous ayons un bloc qui n'a pas de caniveau. Parce que si je parlais de Félix, c'est que vous allez dire parce que je suis de l'Union Sacrée. Je parle de Kabila. Il faut que nous ayons un bloc Kabila. Faisons comme si nous avions une époque à Kabila. Nazu, il faut que nous ayons un bloc qui n'a pas de caniveau. Il faut que nous ayons un bloc Kabila. Qu'est-ce que Kabila a à voir dans cette histoire? D'accord. Alors, on va aborder l'histoire. Par exemple, je suis quelque part en Aïki Moutoumoura, je suis solo, ou bien je remarque que celui-ci, c'est un infiltré, la fin de l'Ionati Kayakende. Et l'Obi-Lobi, dans Rebel, il va continuer à Moka. Je vais dire que non, les affaires sont à Nini. Parce que moi aussi, j'étais là, Naïoki, mais il fallait qu'il a dénoncé. Donc, tous nous avons l'obligation de protéger. Merci. Nous avons toute l'obligation de travailler pour l'émergence du pays. 82-33-33-749. Nous recevons pour vous, donc, ces studios de la Radio Liberté Kinshasa. Madame Sarah Sombé, porte-parole nationale à ADH, il y a Jean-Claude Bayende, parti membre à Union Sacrée. Madame Sarah, les élections se sont organisées. D'abord, votre point de vue de façon globale pour l'élection Salemaki. Bon, par rapport à l'élection Salemaki, moi je pense que l'opacité Pézara qui m'a mingi, c'était aussi des élections opaques. Là, je dois les reconnaître. Mais en tout cas, je ne dirais pas que Batounios au Bazar est là, non, au niveau présidentiel et tout, et tout, et tout. D'une manière globale, dans le bâtiment que Batounios déjà au Bazar est là, il va dire que d'une manière frauduleuse, ça non. Mais seulement, ma mboupe a mal à monter belé, mon anaki peut par rapport à l'élection, n'y a pas de kaki, tout le bâtiment qui est là, télé, et tout, la radio, et puis voilà. Mais aujourd'hui, tout ça, ce qu'on a au niveau, il y a ma mboupe et tali, l'élection, il y a pas gouverneur. Voilà. Daniel Bumba, c'est fait lui qui a... Daniel Bumba est Yeli, Tiké Namango et Yeli Sakri. D'ailleurs, j'ai dit bonjour à Yeli, il est mon frère, hein, de Bikoro. Ah. Voilà.
Nous sommes tous congolais, mais je suis, puisque je suis de Bikoro, lui également, et on a PC Mbote. C'est mon frère quand même. C'est pas parce que a commis vice-gouverneur, il n'a pas eu PC Mbote. Non, non. Mais le problème ici, est-ce que la question que je me pose, Daniel Bumbana est dit, il va aux ala à mesure de pouvoir répondre aux attentes de la peuple voisin à Kinshasa, la population kinoise. Ils ont certainement été votés sur base d'un projet. Il n'y a pas de problème. En fait, je pense pas que Daniel Bumba aza gouverneur Alibosso aza voté sur base d'un programme, non? Mais est-ce que programme amour, n'a pas parce que la monnaie qui est programme là, ils ont la 7 axes et tout, je vais essayer d'énumérer dans côté point par point. Ils ont un simple slogan, ce n'était pas une manière de séduire en fait l'ensemble pour appeler ça et ma voix et par après l'immonnaie. Est-ce que c'est ça vraiment? Parce que déjà là, Bazaki majoritaire, il est de l'UDPS. Voilà. Mais avant de commencer, moi je vais d'abord commencer dans le gouvernement du système. Système politique où ils ont fait élire en fait les gouverneurs et les sénateurs. Est-ce que Bazalara élit sur base d'un projet, sur base d'une vision très bien claire, sur base de la méritocratie, sur base de la compétence et de la valeur? Ou Bazalara élit parce qu'ils ont corrompu? Parce que Nassima, il faut appeler ça rétro-commission. Pas nécessairement. Je pose la question. Voilà. Est-ce que Bazalara élit, comment est-ce qu'il faut pour élire Bango? Après ça, la députée Moussolo. Parce que j'ai dit dans une émission où j'ai dit, c'était avant l'élection du gouverneur, pendant la campagne d'Abango. J'ai posé la question. Je n'avais pas posé la question, j'avais dit ceci. Si tu sois ça, ma quelle est le bon, toi tu soutiens qui? Nous, tout le monde, la gouverneure à Yébanaki déjà. C'est comme ça le Congo. Mais il faut tout se cacher, ma dignité. Ah, tout le monde, non, il a été voté. Moi, j'ai juste posé des questions. Est-ce que élire Daniel Bumba sur base de la compétence, sur base de ce qu'il a présenté comme projet ou. Lui aussi avait donné, il a donné quelque chose. Je ne sais pas, peut-être qu'à la longue durée, on a entendu parler de cette histoire d'Édipe, où je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. La réponse de Kabouya, sous réserve de ce que je vis dans le réseau, il semblait qu'il aurait dit c'est à la motivation. Quelqu'un a déclaré comme ça. Et maintenant, là, ça pose déjà plutôt un problème sérieux. Parce que, là, au moment où peut-être qu'il y avait un candidat, autant que ça a été dans le bon côté, qui vraiment avait un projet et puis animé à volonté hein, de pouvoir faire quelque chose pour Kinshasa. Mais élire, il était voté parce que, après ça, une motivation, ça pose un problème. Et moi, je pense qu'on doit arrêter, il faut tout arrêter. Tout autre, là, on a déjà arrivé hier, non? Il faut tout arrêter, Babilo, quoi, parce que si on continue que Tamboula Bongo, qu'on fonctionne Bongo, Mokoyo et Kenango Libosso. Parce que quand il sera là, alors, parce que vous avez refusé quelque part que tout le temps Tshisekedi, c'est vrai, mais Tshisekedi est à la tête de ce pays, ça fait 6 ans, presque pratiquement tout, voilà. Pour la 6e année. Mais le problème, Tshisekedi n'a pas pensé ou dire la majorité qu'il a eu, il a obtenu, dans le renversement à majorité, dans la transformation à majorité, il y a FCC Cash à l'Union Sacrée. Finalement, il n'a pas changé, il n'a pas imposé une loi, par exemple, ou fait voter une loi, une initiative, ou qu'il est contraint de la pratique ou qu'il déplore les lois. Est-ce qu'il faut encore passer à quelqu'un d'autre? Je pense que le président Tshisekedi, par exemple, comment est-ce qu'il a ôté la vie à IGF, a ôté la corruption, vous voyez? Et donc, moi, je pense qu'à côté, quand on est inaperçu. Mais ici, c'est juste question d'avoir Rosana Baprev. Mais tu as dit la bise que ça a bon, mais tu as dit que moyen et toi c'est saisir le problème en gros parce que tu as la brèveté. Mais en fait c'est ça la réalité. Et je pense que il va faire de la hypocrisie. Voilà. Il faut essayer un peu de mettre fin à ma pratique à bon parce que ça ne va pas nous aider. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ça, moi je pense que. Vous n'attendez rien de ces gens-là? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Daniel Bumba et dit Yeli, Baza. Pour la Kinshasa, par contre. Je parle de Kinshasa aujourd'hui, je suis venu parler de Kinshasa. Lelo Baza va voter comme gouverneur et puis vice-gouverneur. Mais si je parlais de toutes ces histoires, c'était seulement une manière, Yako Lobake. Hein,
la manière dont va voter à Batnambo quand la biche est à la peine fiable été. Il faut tout bien accueillir bateau sur base et à compétences à monde, sur base et à projet, la vision au mutazanambo. On ne doit pas seulement élire parce qu'il a pas ses motivations. C'est tellement immature. Et alors, comme ça. Vous parlez des projets de société. Vous avez dit. Parce que moi, j'étais en train de dire ceci. Moi, j'aurais souhaité, quand on a fait une émission, toi, des soutiens que j'avais dit, dans un candidat monté dans le soutenir à Kinshasa. Parce que, Nathalie, dans le programme, c'était bien, mais le problème, c'est ce que ils vont mettre ça en pratique. Pour répondre à l'attente du peuple. Parce qu'aujourd'hui, faut que s'en aille. Dans cette province ici, nous avions connu un gouverneur, à qui nous avons bien l'abisso, au Limbisanga, Grand P. On dit Grand P, non? Vous parlez de Ngobila. Grand P de Ngobila. Doxi Yao. Comment on l'appelle? Doxi Yao. Et pour Ngobila, c'est permis. Ce sont les richesses africaines d'Afrique. Ngobila, c'est permis. Faut pas ignorer. Non, attendez. Ngobila, à qui n'a pas on a cadré. Non, attendez, attendez. Faut pas. Attendez. Non, madame, la maman Sarah Soumbé. Quand vous parlez de Grand P, ils ont fierté. Je ne refuse pas de parler de Doxi. Et Doxi, pardon, les Arabes, Doxi. Attends que j'arrive à la fin. Ngobila s'est permettre que l'Oba, la conférence de presse Moko, où c'était d'ailleurs au cours d'une émission Ngobila Bino, a béni Bango parce que Baya sensibiliser pour la Kimbo peut-être parce que vous allez me permettre Malobe ou Tana Mnoko Ngobila. Abi parce que Edoxi Azana Evunda Mouneni. Bon, on concède. Ayesiko, depuis Baya Bakenda. Résultat dans Wazanine. Kimbo peut où en sommes-nous? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez voir comment est-ce que la ville elle est sale? Ngobila ke? Ce qu'on est aussi, vous n'avez pas eu de mon Ngobila le bac. Je ne sais pas. Je ne sais pas donc, voilà pourquoi Ngobila n'a pas eu ça. Voilà pourquoi moi je dirais que. C'est la richesse, c'est ce qui a fait que. Le problème résultant dans les années. Kimbo pète Sukawapi. Aujourd'hui la ville elle est très, alors très sale. Donc, vous allez comprendre que bon à Congolais, parce que tout le monde est là. Bon à l'été, il y a des gens qui sont là. Mais à la fin. Aujourd'hui, vous n'avez pas. Mais ça, c'est une sensibilisation. Attendez. Vous voyez que la troisième de ma aventure, je vais un peu dire, on a un peu de mon Nathanaël à l'Obaralobi, Nathanaël a sa porte-parole, il y a le monsieur qui était candidat président de la République, il y a un peu de monde, il y a un bureau naé, Mazaki incapable plutôt à outil que la mission est fixée sur prix à transport. Maintenant, ça transport les eaux variées, selon une mère à chauffeur. Au matin, vous avez vu, on a par exemple, ah, ok, le magasin, il te dit 1500 tonnes pour un abbé à Moutoukananga. Mobile, on t'a sonné là à Moutoukou. Bien, les gens ont tapé ça à Moutoukou. Na Ipen, place la belle, la raison, nous sommes 2503. Bah policier bazala wana ba roulage bazala n'est-ce pas que bah on finit par une botte du cash bah période monte la mouka la tombe ah bah ici soit bah le transport sous comme 1000 francs et tout et tout mais après et sous quand donc une autorité qui est là ne peut pas ignorer à salir à tikizano au marché moderne j'arrive une autorité à ça incapable d'imposer au fait système naïe à salir la macam voilà pourquoi j'avais dit pour la ville de Kinshasa ici, il nous faut un gouverneur rigoureux. Parce que ça va influencer même ma collaborateur. Mais il faut que un gouverneur qui n'a pas de médias, il va vous amener et tout, c'est tellement là. Donc, même bureau, il y a un collaborateur, il s'en fout de tout ce qui reste après. Nous avons besoin d'un gouverneur rigoureux. Pour avoir le fond d'appel, le bureau n'était pas dans ma ligne. Pour avoir le fond d'appel, un peu comme le bureau. Ayeba, pardon, on va continuer. Oh, dans le temps de la ville à Kinshasa, Ayeba, problème à Kinshasa, c'est Zawapi. Et les amis, pour pouvoir répondre aux attentes de la population kinoise. Un gouverneur compulsif, en fait, quelqu'un qui s'est imposé ma loi. Aujourd'hui à Kinshasa, embouteillage. Daniel Bumba, il sera à mesure de pouvoir mettre fin à l'embouteillage. Et chose grave ici,
Entre autres, Babylone, parce que si il faut savoir, Babylone est aux embouteillages, à mauvais état en Zéla. Babylone va pas le temps d'arrouage, va s'en avoir télévisé dans mon olier avec sa balle à télévisé, c'est quoi en fait ça le problème? La légèreté aussi. Mais quelle légèreté, mon Dieu! Ça c'est bébé. Et puis on dit ça tout. Bah, comme ça, on a l'habitude de créer un embouteillage en Boko. À qui tu as ça ici? Sans sénégal. Sans Bakenda Wapi. Mais ça n'a pas pressé. Bango Bakenda Wapi. Parce que des fois, mais Baba n'a pas tant moins à balam ou quand c'est le roi de la table, on a pas corps, on a raté à la yamit ou à la bambou. Moi je pensais que dans mes marques, on va dire qu'on a montré que par quel traité, ma caméra, on pose la solution. Mais à la fin, le pays va mal. Bah, on a la carte pressée. Et puis, Baki m'a banane. Ça, c'est lui qui m'a dit qu'il n'y a pas. Mais comment est-ce que vous êtes censé de faire respecter la loi, vous violez encore la loi. Mais est-ce que la bataille boue vraiment, il faut pas espérer un changement. Alors, Daniel Bumba, il sera à mesure, il y a Royer Bissa, ou soit d'initier une loi, et la nouvelle, la même chose à Nani. Aux yeux sans cynique, on t'arrête, tu peux. En cas d'urgence, par exemple, ambulance par exemple. Ah, voilà. Ou dans cas d'ambulance. Il y a aussi des pompiers. Voilà pourquoi je félicite Roulage, mon côté à Mbalé, ma Kamaki, je ne sais pas si avec qui ministre, à côté sans cynique, à zone ce qui est. Bah, d'abord, on est au Lingui. Est-ce que la loi est sans cynique, pourquoi? Est-ce qu'eux, ils sont congolais plus que les autres? Bah, tout le monde, c'est un embouteillage, on a tellement de choses, là-bas, qui est malé. Bah, autorité, ils sont congolais plus que les autres? Non? Parce que nous sommes tous en droit à mon corps. C'est déplorable. Donc, l'autorité n'a dit cela, mais qu'un peu. Va sur soi, au fait. Va réfléchir. En tout cas, on ne gère pas le pays ou encore une province comme ça. Donc, on a dit la collaboration entre le bourgmestre et le gouverneur. Donc, on ne doit pas seulement parler de la niveau. Ça commence là, dans le chef du quartier. Est-ce qu'ils sont, ils ont aujourd'hui une place dans beaucoup? Est-ce qu'ils sont considérés? Tout le monde a qui la période du monde d'Ambou, les bêta qui ont bombé, batou. Quand dans le Kabal, le Belangobila, les gens vont dire non, voilà, attends, la Ukraine, les Arabes, même aux États-Unis et tout. À Dubaï, il peut aussi salir. Non, à Dubaï, c'est la Kimboula artificielle. Et inondé, t'es? La guerre artificielle. Parce qu'il faut inonder. Mais vous allez voir, parce que aujourd'hui à Kinshasa, les gens sont chefs de quartier. Je ne pas rebelle au monde en disant que les gens sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Le gouverneur est en train de se faire. Parce que ils se considèrent tellement là. Donc, ils sont en train de se faire de l'autre côté. Parce que aujourd'hui, à Kinshasa, il y a des livres d'autorisation à bâtir. Voilà. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a même des chefs de quartier au bâti de Kamapan. Et quand on a été en haut, au moins on a été en haut avec le corps de la bourgmestre. Le bourgmestre, à son tour, a soukapé Wanate, il était à Matissina, il était à Mindikolo. Après, quand on a été en haut, 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 sur le bingo bilan. Non, le bingo bilan, parce qu'il y a une autre bima. Bon, d'ailleurs, jusqu'à la porte du contrat, il est encore là. Voilà, c'est lui qui est le bourgmestre. En fonction, oui. Donc, ce pays a un problème et puis le problème est tout ça, le manque d'autorité au bazar la conscience et bazar la volonté au sein ma camarade. Et tout ça, ce qui s'est dit, vous ne voulez pas qu'on parle de lui? Ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur Bonner. Dans le but qui va le dire, c'est que fait ce qui est déposant de la République. Comment est-ce que le lobby l'a été? Voilà pourquoi un jour. Un jour, on a vendu la Willerie, et ça qui est week-end, on a vendu quelque part. Un monsieur qui vient, il voit qu'il était. Il y a un amour à vous avez un délice, c'est ça, le mois, comment va être. Maman, il va bien, le bébé, le Cameroun, il est président de la République, à l'autorité, t'es beau. J'ai même des images. Président de la République, à l'autorité, il voit qu'il était, s'il vous plaît. Il est conscient de la situation. Voilà pourquoi ici, moi, je vais lancer un message, président de la République, de punir au fait
moto nyoso o azo poser ba acte moko o eza ko eza ko ezo suna mboka te. Il faut pas retourner là-bas parce que bah fini que les stocks sont à l'écart. Le président de la République n'a le bango chaque fois que c'est quelqu'un qui est rempli de la bonne volonté de pouvoir à salade makomala pour le peuple. Mais le problème se pose aussi par rapport à Yabat ou à Zana Bango en tant que ma collaborateur. Et maintenant, pour mettre fin à Mokambo Yabongo, je pense que le président de la République, il faut abandonner ses décisions à la Mokambo. Vous voyez un peu. Et donc, je ne sais pas, on va évoluer s'il y a d'autres questions. Et puis... Alors, on va prendre les interventions à Bande Coinzé Singa, 82-33-33-749. Justement, que devons-nous attendre à la gouverneure Daniel Bumba et Dieli Zir, le gouverneur qui vient d'être élu, vous l'avez certainement suivi, beaucoup à prendre des vies à Bandeko, des parts et d'autres. Nous avons également dans ces studios de la Radio Liberté Kinshasa, Madame Sarah Sombé, porte-parole nationale de l'ADH, Dieli Sissanga, Zir, il y a Jean-Claude Baïndé, puis parti membre, il y a Union Sacrée. Certainement, nous allons prendre des interventions à Bandeko. Toujours dans le studio pour Ayano Namitouna à Bandeko. 82-33-33-749. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Je suis désolé, comme des liaisons. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Nicolas. Bonjour, papa. Ah, bonjour, bonjour. Toujours quand on a mon gafoula. Merci. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô. Oui, de comité. Merci beaucoup, tu peux suivre nos bottes et nous congapons tout, c'est ça? Voilà. Nous congapons tout dans Kasangolo, territoire Kasangolo, dans le Congo central. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Toujours au calme de quoi? Bonjour. Les gens vont être dans la radio du côté. Comme nous sommes dans la zone de la région. Parce que ceux qui ont mis la macabre pour nous, et bien ceux qui ont fait, il n'y a pas mauvais de gens qui ont fait la parole en beauté. C'est-à-dire, ma camionne, c'est ça, ma camionne, parce que la voiture n'est pas la parole, à l'entente qu'ils allaient la poursuivre la parole. Parce que ceux qui ont fait ma camionne, ils ne sont pas la parole en beauté. Macamou va continuer à se bander au sommet de l'État. C'est pour ça que nous avons moins Macamou va continuer à la gouverner qui pense. Merci. Merci de nouveau. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je te plais de tout ma tête. Non, ma tête, bonjour, cabinet. Maintenant, tu sais, maman, il faut avoir une logique et l'analyse de l'État. Accompagnez-moi à voir pour te connaître que nous devons être de la tête. Mais à l'unité, tu sais, tu sais. D'accord, bon, maintenant, tu sais, tu m'as dit, mais tu sais. Il y a un peu de temps que vous pensez bien que dans la vie, il y a tout à fait ce qui est ce qui est dans la logique de la loyauté. Et maintenant, je vais montrer que vous avez la loyauté dans la loyauté. Que je vais vous faire un travail. Vous qui êtes dans le système de classe commerciale, mais que la question est souvent la bâtie de la tennis, n'est pas ça. Et ça, c'est tout à temps à faire quoi faire, aucun de temps à mettre personne à ce qu'on dit. Les gens, du coup, c'est quoi ça? Merci beaucoup. On a rappelé que l'attente de ton ami Bogomès est alimenté. Allo, bah, tu vas pour bien aller à toi, non? Allo, bonjour. Allo, bonjour. Oui, le confiste, Zoukal.
Bonjour, maman. Bonjour. Décollant direct la Radio Liberté. Malgré que nous devons avoir une argumentation comme on peut soutenir toujours, il y a le soutien. Je ne sais pas que nous sommes le temps de la tête, puisque nous sommes en train de nous parce que par exemple, on va diriger place ma campagne de Tambola, même si nous avons placé dans nous. Alors, par exemple, nous sommes le bâtiment, nous sommes en train de l'autre sous l'institution du chef de l'État. Ce n'est pas pour rien que nous sommes le bâtiment, c'est parce que nous sommes en train de contrôler. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Allô, bonjour, 22 33 43 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
bonjour. Bonjour. Oui, toujours, Kaya. Oui, pasteur de Nago, on a vu ce père à son côté. Ah, c'est sensible ce que vous dites, hein. C'est vrai que dans plus animaux on a un souk, dans souk émission pour Robin Abisso, au cours de organiser émission et pour lancer avis de recherche, c'est normal. Malheureusement, la commande je vois il y a 3 ans. D'accord. Problème que n'a vous rappelé le numéro Oyo. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, Kaya papa. Oui. Oui, Nico. Oui. Merci beaucoup. 42-33-33-749. Allez, essayez de compter. Nous avons moins de 5 intervenants. Clôture Seria Batel, Maman Sarah, si on vient répondre à notre question. Allô, bonjour. Oui, bonjour, me revenez. Bonjour, quoi, Benga, bonjour. Bonjour, quoi, papa. Bonjour, quoi, papa. Bon, en tout cas, ma maman, pour répéter ma question, ma soeur, elle est la langue fantastique. De la langue, elle est la population. Donc, ma mini Benga. Bonjour. Allô. Allô, bonjour. Oui, je suis pas compris. La dernière fois que tu as parlé, tu as parlé de ta mère, tu es trop bien. Et bien, on est tous les bonheurs, ça y est, le banca. Et que la mère, elle est trop bien. Et tu as attaqué. Parce que c'est le fait que nous, par contre, tu es en main. Tu es trop bien. Tu es la bataille de pêche. En main, ça va. Tu es un peu plus grand, je veux dire. Allô, bonjour. 82-33-33-749. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, Deco. Bonjour. Toujours la mine n'a pas été. Toujours quoi, papa? Dans le monde, je sais que dans le monde, on a toujours des gens qui ont été. Donc, il y a quelques jours pour moi, ma maman était beaucoup dans le monde, on sait pas que l'autre. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour.
En tout cas, merci tout maman pour donner ma place. Allez, l'avant-dernier intervenant de l'émission. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Donc, en tout cas, je vais te prendre de tout. 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 Je vais te On va prendre deux intervenants de ceci émission. Allô, bonjour. Interférence, ses amis, hein, apparemment, on va s'arrêter là. Je précise pour les amis qui sont habitués à cette émission que lorsque vous intervenez déjà une seule fois, initiez la cogéné, batomsu, baby, stratégie, vous savez la rater. C'est vrai que c'est pas facile d'accéder à la standard en abino, mais pour vous qui nous appelez régulièrement, faites-nous au moins, rendez-nous ce service-là de ne plus insister pour empêcher d'autres intervenants à accéder. Parce que c'est difficile d'accéder déjà. Et donc, quand vous appelez Ndeko Patrick, Ndeko Mayele, inutile d'insister. Sinon, vous serez enregistré, on ne va plus prendre vos interventions. Aidez les autres à intervenir. Quand vous intervenez, émission, c'est vrai, il y a bien, mais tout ça, la répartition, attendant, madame, de repartir. Ce qu'on oublie déjà, c'est quand même de comme sur Bakota. Inutile d'insister et empêcher d'autres d'y accéder. C'est pas quand même, un esprit à générosité. Je suis tenté de dire ça. Vous insistez, de repartir, ça ne nous arrange vraiment pas. Hein? Aidez-nous aussi à nous épargner la bande de Komsubako, bien Gabako et bande de Komatondo. Chacun a sa vie privée. Après, monsieur Olazan, la vie privée, là, je me retrouve en famille, je me retrouve avec Ouna Lingaka. Donc, chacun mène sa vie. Mais il y a avec le chauffeur, je vais faire le chauffeur. Donc, inutile de dire à Ndeko Matondo, à Tekatumba, quoi. Ce sont en fait pas des propos qui nous avancent. Attaquer Ndeko Matondo, attaquer un argument inutile à Koloba, ça prend la faillite. Et donc, vous décidez de les détruire, de les réduire, de les noircir, ça ne représente rien. Respectez-vous autant que nous vous respectons. Voilà un peu. Et M. Zahabino, mais aidez-nous à rester dans les principes. Voilà. Madame Sarah Sombe, vous avez la parole pour na Maloba Souka. Merci beaucoup, mon amour Kabonia. Je pense que ma peine, nous sommes toujours la question pour nous avoir qui m'invite. Bon, quand on a battu nos obalobi, que nous avons invité, va s'attaquer dans les Phoenix, nous avons le Rangobila et tout et tout. D'ailleurs, il faut savoir qu'à ce niveau, il y a des échelons et exercices à pouvoir. Parce qu'il y a le gouvernement central et commercial. Donc, on a un système à décentralisation. Mais ici, je ne dis pas que il ne faut pas peut-être que tant que moi, je dis parce que c'est lui le garant de la nation. Mais tu es que, bisous, le peuple, tu as une part et la responsabilité. Car ici, dans la parenthèse, je voulais proposer en fait, aux députés provinciaux d'initier une loi pour contraindre en fait. Que cet acte-là fasse de cette personne une personne en conflit avec la loi. Et s'il y aura peut-être 6 ou 3 mois à prison accompagné d'une amende. Même une semaine, ça suffit. Non, une semaine, c'est payé. Une contrainte par corps, bon Dieu. Une semaine, c'est payé. Sortir le pénal, je préfère attendre un mois et accompagné d'une amende
Et puis, je pense que le lingue ou anapé, parce que bisou mon peuple est toujours participé à la destruction, il y a ma belle na bisou. Et puis, il y a un beau cana bisou. À l'époque, tu vas encore monter à Batmou, on a encore ta rana mapang, on va atteindre la bataille hygiène. Apparemment, va zara ajouter. Si tout n'a pas, il y a la cour commune. Voilà. Ta système, on a fait zone à calme, parce que la salité avant et en bailleur. Les amis, mais bah ça, la soumise. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Ils sont aussi parfois dans la bataille de solo. C'est ce que je suis en train de dire. Non, pas les frais de fonctionnement. Exactement. Moi, j'aimerais voir Bantouan à base d'un ma pomme. Parce que salité, avant et envahir en fait toute la ville, ça commence d'abord chez nous, dans Bandak Nabissou. Et cette manière-là, ça va aussi nous aider à pouvoir garder notre ville propre. En ce qui concerne ma mouya, parce que la tanga qui n'a pas programme, il y a dit Yeli à l'obtention de sa liberté et tout. J'aimerais ici que le gouverneur ait dit Yeli, aïe de sa le vice-gouverneur et Daniel Bumba, comment va procéder à l'évacuation en fait, y a la poubelle. Parce que ici, dans cette ville ici, moi j'ai vu presque 4 briques seulement. Mais pour caminer les eaux sont pas fous, les matières à niveau et l'équipe à garde fou. C'est immature dans une ville comme ça, et puis les autres capitales, partout le temps de là-bas, fou les allées. Bah, il s'agit de ma proposition. Et ici, parce qu'à Kinshasa, ici, soit au Kéba côté de ma loupe, mais c'est pas ça, il n'y a pas proposé de rembasser la cité dans ma fausse commune. Et puis, quand il y a un expert, bah, il dit ça, comment est-ce que la salle à recyclage, il y a une inondice. Parce que ici, à Kinshasa, on mélange à l'agneau, on va mélanger plastique, on va mélanger le tombeau, on va mélanger le foufou, on va pas faire ça, mais on va mélanger le bloc en place. Et on va retomber dans la santé, on va éviter. Dans le qui peut-être espace, c'est une fausse commune. Oh, bah, à l'époque, on a une fausse commune à Maloukou, hein, Mambo Kabila. Alors, bah, c'est la fausse commune à Mambo Salité. C'est qui dit non, hein? Donc, voilà. Alors, pour la reconnaissance, on va bien nous poser la question. Il y a quelqu'un qui a dit, ma personne, il dit, elle m'a beaucoup passé avant de Konama, loin de là. À quelqu'un qui va gouverner, il peut être président de la République. Et peut-être que c'est maintenant la personne de Konama Mbote. Mais la réalité, c'est qu'il allait soutenir, parce que, non, soutenir pour avoir fait quoi? Jusque là, à celle-là, nous avons été. Mais même si elle n'a pas été. Voilà. Et pour la dignité, ce qu'elle a. Donc, nous avons fait aussi le nom de la soutenir. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste. Nous avons mis la main dans le vrai sens. Et je pense que si le conscient en a et pour attirer ma malamou, nous allons faire confiance à Eddy Yeli et puis Daniel Bumba. Mais seulement, je me dirais qu'en tout cas, il faut répondre à tant à peuple. Population congolaise, attendez, on a 2000 francs à Ebi qui n'ont qu'à retour dans la zone d'Indako. Et là, on a 2000 francs à Ebi, on a 2000 francs à Ebi, on a transport les ATM, mais alors ça a calcul, non, on a pour voir qui porte tout le transport, chauffeur par rapport à Emer, on a Amadi Cipri, cependant, au moins, on a tout autour là, la police, il y a une raison représentée. Autorité urbaine sur place, mais à Telemina, c'est un mot à l'ICAS. Donc, il y a des pratiques où il faut vraiment que Daniel Bumba et pour Mambotali Bongo Kuluna. Sur la question à présent, c'est qu'il est. Bien sûr. Mambotali Kuluna, Daniel Bumba, le bel et un peu le programme. Abiba Osala, bataillon moko spécial et tout, c'est bien, mais pour la finalité, nini. Parce que tout le monde a un bataillon spécial, quand on a Kuluna, 2 mois, 3 mois après, au moins, il est sous l'Ubanda. Qu'est-ce qu'il a prévu dans ce sens-là? Ah, mais quelqu'un peut expliquer. Nous sommes votés, le député va voter, il va voter hier pour ça, la peau n'a bisou, pour le peuple. Parce que je fais partie de la population quinoise. Alors, le Kamboka, comment le lobby Kamboka, le gouverneur, le côté, est-ce qu'il va aussi à Nini, le lobby Kamboka, mais le lobby Kamboya Nzala, le lobby Kamboya Tou, il y a Watis de Tou, Tou, et bisou, c'est que Dieu m'a sali Nini, ce baron va sali le côté. Il a posé la question si tu sais. Moi, je pense que dans chaque fois, je l'ai dit, chaque jour, on va plateau sur les caca. C'est vrai que le mandat, oh, et aussi que Félix, c'est que Isaïe à 100% récite. Je vais même dire peut-être que à 80%, 70% Isaïe qui échec. Mais il y a un des théories que ça fait, c'est que de faire mieux. Tant que le gouvernement, Mobimba est à la place, Babanda Moussala. Et moi, je pense que pour cette fois-ci, avec la bonne volonté qu'a le président de la République, il va se battre à ce qu'il puisse répondre aux attentes. Exactement. La volonté politique. Exactement. Aux attentes du peuple. Alors, on va se lever parce qu'on a déjà fini. Hein, on termine la semaine généralement dans le côté des mains. On termine avec
les concours techniques de toute l'équipe qui nous a accompagnés pour recevoir Madame Sarah Sondé. On va finir la semaine. Là, on ne sait pas. Nous avons dit tout le monde à on va essayer de faire ma part maintenant. Après qu'on m'a passé, ça sera quelle chanson là, et tu vas te montrer. Mais on a chanté pour Kibuka, notre cordon aussi. Je ne sais pas. Raphaël Kibuka, je salue les députés. Double bois ça.